AIDS, définition anglaise de sida. Recherche sur sida. Sida, maladie détruisant le système immunitaire, ne peut être guérie. Le virus HIV entre dans l'organisme au cours de la relation sexuelle. Il poursuit son chemin avec les globules blancs. Il trouve sa place dans notre système immunitaire. Et il l'attaque immédiatement. Au cours de l'attaque, le virus se multiplie sans cesse. Chaque nouveau virus se divise et le nombre ne cesse d'augmenter. De dangereuses mutations se produisent. Les nouvelles formes du virus s'attaquent aussi au système immunitaire. Et leur attaque ne s'arrête jamais. À la fin, le système immunitaire est totalement anéanti par le nombre de cellules du HIV. Et nous mourons. Aucun médicament ne peut remplacer l'utilisation du préservatif. Pour le sida, il n'existe pas de pilule du lendemain. Certains médicaments freinent la multiplication du virus. Pris de manière inappropriée, ils sont inefficaces. Hélas, le virus, en se divisant, connaît une mutation, et cette nouvelle génération de virus devient résistante aux médicaments. Le sang qui entre en contact avec du sang contaminé court un grave danger. Par exemple, des seringues usagées peuvent contenir du sang contaminé. C'est ça. Les banques du sang sont vérifiées de nombreuses fois, mais dans certaines régions du monde, la transfusion sanguine représente un danger.